Malgré ces initiatives, les campagnes souffrent d'un autre problème, le manque de main-d'œuvre qualifiée et de formation professionnelle. Nous sommes ici à Épervent, une commune de 1600 habitants, 13% de jeunes. Après le lycée, ils partent faire leurs études dans les grandes villes voisines de Mâcon ou de Dijon. Eh bien, le maire d'Épervent a décidé de stopper l'exode et de réimplanter la formation professionnelle en milieu rural. Donc, tout le matériel est neuf. Il n'attend plus que deux élèves qui vont obtenir leur CAP. Le maire est fier de faire découvrir sa toute nouvelle école de cuisine. Elle accueillera 8 apprentis dans quelques jours. Avec une particularité, elle se situe en plein milieu d'une résidence pour retraités. Vous allez voir, mesdames, ces personnes-là, pendant 6 mois, à partir du mois de novembre. C'est bien, c'est de la jeunesse. Bien. Très bien. Puis ça mettra un peu de gaieté. C'est vous qui le cultivez, celui-là ? Lequel ? Pour leur recette, les élèves se serviront dans le potager des anciens. J'ai fait des haricots verts ici, ouais. Qui pas mal donné. Les retraités donneront leur recette. En échange, les étudiants cuisineront pour eux avec l'aide de grands chefs étoilés. Petite photo souvenir ? On dit cuisine ?